Agnès rentra chez elle car elle n'avait pas que cela à faire. Elle était inquiète, mais, comme Vincent, extrêmement intriguée. Elle appela Freda. Message. Oui, salut Freda, c'est Agnès. Bon, je reviens de chez Pascal. Alors, je pense que tu sais que il a disparu, en fait. Mais je pense qu'on a on a une piste, quoi, pour le retrouver. C'est un peu bizarre, mais si tu commences à chanter, à un moment, sa voix va apparaître. Donc, enfin, écoute, je t'en dis pas plus. Vas-y, puis tu te rendras compte par toi-même. Je t'embrasse et à bientôt. Salut. Freda ne sonna pas à la porte, mais entra directement dans la maison. Le chat ronronnait maintenant, si fort que toute la demeure branlait dans tous les sens, un véritable tremblement de terre.